Since there is a long debate, the issue for each country is how to modernize itself. We look at China really as an inspiration. So local people need to take their destiny into their own hands, and that can only be possible by giving them the right kind of skills. I want my country to really be part of the digital revolution. So I came here to China so that I can learn. 经过鲁班工坊的学习，他们可以接触到以前没有机会接触的这种高端科技。希望通过我3年的努力，能够把这个项目以最快的速度、最高的质量交付给当地。I believe that one day I will be the one who is giving these children like me. Maybe 10 years from now or 15. Just let us see. 中国和非洲在实现现代化方面。 我们正在形成越来越紧密的合作关系。L'Éthiopie figure parmi les pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques au monde. Ces dernières années, elle s'efforce de diversifier son économie, qui est actuellement principalement agricole, ce qui rend l'éducation professionnelle particulièrement importante. Nous sommes à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, à l'atelier Luban. Cet été, l'atelier a ouvert pour la première fois un programme d'été. Jiang Jiang est en train de communiquer avec un enseignant du programme. Je m'appelle Jiang Jiang. Je suis en 2011年受到由中国教育部主办天津职业技术示范大学承办的中非教育合作项目的派遣来到埃塞俄比亚工作的。 Luban était un personnage historique chinois, célèbre pour avoir inventé divers outils artisanaux. L'atelier Luban, qui lui doit son nom, a pour but de promouvoir l'éducation professionnelle chinoise auprès du monde entier. En tant que responsable chinois de l'atelier Luban en Éthiopie, Tian Tian fait tout son possible pour stimuler la motivation des étudiants pour l'apprentissage. 以前我们在中国的时候呢，我可能会准备很多理论性方面的知识背景介绍。后来我发现到了埃塞俄比亚以后，同学们更倾向于在真实的这个工作环境中间去进行实践，所以我就把很多理论课程相应的减少，而增加实践活动的这个环节。Let's see, can you do that? Good, good, good. Okay. 现在同学的学习热情啊。 比当初要高涨很多。我们现在可以说经常要额外的排课才能满足同学们的学习需求。同学的数量呢，也从当初可能只有10个人不到，现在有时候一个班上都会有30多人。L'un des enseignants du programme d'été est un ancien élève de Jiang Jiang. Les étudiants présents sont tous des enseignants en activité. Étant occupés par leur travail quotidien, ils espèrent profiter de ce programme pour améliorer leurs compétences professionnelles et leur niveau d'enseignement. Summer class programme de master andenya ta enazi mamran na tamariwoch ndum ye industry saratimoch nacho izi mimmarut weyim sultanawon miwosulut enasu ba hagarachin deraja weyim ba alam aqef deraja የኢንዱስትሪው የሚፈልገውን አይነት ባለሙያ ሆነው እንዲወጡ ስለምንፈልግ Passer de l'aide ponctuelle à l'autonomisation est une évolution qui enchante Tian Tian et incarne son aspiration de toujours. 只有埃塞本土的优秀的职教师资以及工程技术人员能大批量的成长起来，他们能够独立的进行教学和这个技术的开发以及应用，才是埃塞俄比亚。 本土的这个工业能独立发展的一个基础。鲁班工坊运营已经3年来，本土的老师可以基本独立运行鲁班工坊，而且鲁班工坊在社会上的名声也是越来越大。This training is so valuable for me. I can easily understand every equipment. Within few days, we can understand much more detail about robotic system, and we learning with practically, and also we practice by ourselves. That really motivated me. Lorsque Tian Tian est arrivé en Éthiopie en 2011, les conditions de vie et d'enseignement étaient très difficiles. Mais maintenant, il considère que cela en valait la peine.
这是我的一个毕业学生，他自己开了一个这个维修铺，两个马克杯上是他店铺的logo，叫做兄弟维修铺。他告诉我，其中一个兄弟就是我。 其实，这些年就是很简单，就是这种，就像我说，不断重复的这种幸福感，能够支撑我在这待了这么多年。我这些年教的同学啊，有很多从鲁班工坊毕业以后，取得了非常好的成就，有的同学呢，拿到了我们的奖学金，可以继续去中国进行深造。 En 2019, Zagaï Alamou, un ancien élève de Jiangjiang, a obtenu une bourse et est venu étudier à l'Université de technologie et d'éducation de Tianjin pour y poursuivre un master en automatisation et ingénierie électrique. En 2022, il a participé au premier concours mondial de compétences des collèges professionnels. Avant de venir en Chine, il était enseignant. En redevenant étudiant, il souhaitait acquérir des compétences technologiques en Chine pour les transmettre à ses élèves en Éthiopie et ainsi contribuer au progrès de la production locale. Dans la région d'origine de Zagaï Alamou, beaucoup de personnes sont impliquées dans l'industrie du café. Cependant, en raison du manque d'automatisation, certaines étapes de la production sont encore réalisées manuellement, ce qui limite considérablement le rendement du café. Pour remédier à ce problème, Jiangjiang, qui était en congé en Chine, a accompagné Zagaï Alamou dans une entreprise pour suivre des formations. 经过鲁班工坊的学习，他们可以接触到以前没有机会接触的这种高端科技。 After finishing this training in Lubano shop, we are returned back to our country to support our vocational schools as well as for young generations in use in Ethiopia as well. ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ቮኬሽናል ትምርት ቤቶች ላይ በጣም መስራት አለባት ለሚለው አዎ ነው ምክንያቱም Luban workshop is a very important workshop which links Asia Africa it's a very important link for the economic development in Africa by helping young people acquire new skills which are necessary for them to become part of the economy À ce jour, la Chine a établi 33 ateliers Luban dans 29 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie, formant plus de 10 000 personnes dans divers domaines. Ces ateliers allient l'ancienne sagesse orientale à l'esprit artisanal, créant des ponts pour favoriser la compréhension mutuelle et l'échange culturel entre les peuples. L'univers est un spectacle grandiose et infini. Mais peut-on l'entendre? Et comment imaginer le tout premier corps céleste né après le Big Bang? Cheng Zhifeng, ingénieur en antenne à l'Institut de recherche en réseau et communication de CETC. Ce soir, son travail consiste à tester l'antenne à fréquence intermédiaire nouvellement construite. 好，往右转，往右转。 Après avoir terminé ce travail, il devra se rendre en Afrique du Sud, où ce télescope sera installé pour la phase finale. This is a very large international project to build the most sensitive radio telescope ever built, and it's being built as a radio telescope array. The name comes from the idea of having 1 square kilometer of collecting area. Le 12 mars 2019, 7 pays fondateurs, dont l'Australie, la Chine, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, ont signé la convention de l'observatoire SKA à Rome, s'engageant à construire un vaste réseau de radiotélescopes. Compte tenu de la bonne visibilité de la Voie lactée dans l'hémisphère sud et de la faible interférence radioélectrique, l'Afrique du Sud a été choisie comme site de construction des antennes à fréquence intermédiaire du SKA. En tant qu'unité principale de l'Alliance pour les antennes paraboliques du SKA, l'Institut de recherche en réseau et communication de CETC a collaboré avec des instituts de recherche d'Afrique du Sud, d'Italie et d'autres pays pour achever la construction du lot des structures d'antennes du SKA.
Because we're trying to detect such weak signals from almost the dawn of the universe, we need a huge collecting area. Pour atteindre une résolution élevée, il est nécessaire que le diamètre des radiotélescopes soit très grand. Étant donné que le diamètre d'un seul télescope est limité, les astronomes utilisent le principe de l'interférométrie pour combiner des radiotélescopes situés dans le monde entier, permettant ainsi de maximiser l'observation des profondeurs de l'univers. Our Chinese colleagues, one of the big areas in which they're involved is the design and construction of the dishes. They have been incredibly innovative. Nadim est un scientifique sud-africain chargé du test du projet SKA. Son travail consiste à utiliser des expériences scientifiques pour tester le télescope, s'assurer que tous les composants fonctionnent normalement et surveiller en permanence les signaux envoyés par le télescope. So here we are, Bruce, after a long road trip, the Karoo Array Telescope. Amazing, wow. Le CAT-7 est composé de 7 radiotélescopes et fait partie des projets précurseurs du SKA. So, here we are. Amazing. CAT-7. Beautiful. Yeah, you can see. You know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 is at the back. So what are the dishes actually made of? It's fiberglass. Wow, it's just like a surfboard. Same thing, same material. Just like touch it. And it's incredible to also look at these telescopes that are picking up signals that have traveled for hundreds of millions of years. They've crossed the universe to be picked up and captured, and which will give us the clues we need to unravel the mysteries of the universe. Le projet SKA vérifiera la gravité en observant les pulsars et les trous noirs. En outre, il explorera les exoplanètes et les formes de vie qui pourraient s'y trouver, et même la formation des premiers corps célestes après le Big Bang. The SKA is many things. It's a science project, it's research and development, it's engineering, it's science diplomacy, pulling countries and governments together to develop an international project. But above all, it's driven by the insatiable curiosity of humans to understand our place in the universe. Alors que les radiotélescopes regardent l'espace depuis la Terre, les astronautes, eux, regardent la Terre depuis l'espace. Que ressent-on dans l'espace? À quoi ressemble la Terre vue de l'univers? Abdi, un lycéen éthiopien de 18 ans, est également passionné par la culture chinoise. Depuis son enfance, il est fasciné par l'univers mystérieux. À l'école, il discute souvent de l'univers avec ses camarades. Et ensemble, ils étudient les connaissances spatiales. En décembre 2019, l'Éthiopie a lancé son premier satellite dans l'espace avec l'aide de la Chine, ce qui a encore renforcé l'intérêt d'Abdi pour les mystères de l'espace. En septembre 2022, l'activité Dialogue avec Taïkonaut a eu lieu au siège de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Lors de cet événement, des jeunes Africains ont dialogué avec les astronautes de Shenzhou 14 en mission sur la station spatiale chinoise. My first question is, what is the difference between living in space and living on Earth? How do you eat, sleep, and take baths in a wasteless environment? 空间站上我们有独立的睡眠区，但是失重会使我们总有一种站着睡觉的感觉。工作人员。
为我们配备了百余种航天食品。瞧，有好喝的紫米粥。 Since the Great Wall of China can be seen from space, is it also possible to see the Sahara Desert and Mount Kilimanjaro from the Tiangong Space Station? 在太空是看不到长城的，但是非洲上空天气晴朗的时候呢，我们通过舷窗可以看到撒哈拉沙漠、乞力马扎罗山。Des sites secondaires ont également été établis en Algérie, en Égypte, en Namibie, au Nigeria, au Sénégal, en Somalie et en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'une grande puissance aérospatiale engage un dialogue direct avec les jeunes Africains via une liaison entre la Terre et l'espace. We have with our friends China, the China-Africa Cooperation, FOCAC, and it is in the framework of this forum that we are organizing this meeting where, which I hope will help to, you know, extension of knowledge about space science into our youth in different parts of Africa. J'ai une idée. Je pense que l'astronomie, c'est le fait de découvrir l'espace, les planètes et tout ça, les étoiles, les constellations. I believe that one day I will be the one who is giving this to children like me. Maybe 20 years from now. Or 15. Just let us see. Depuis des millénaires, l'humanité explore l'univers. De l'observation à l'œil nu au télescope pour observer des événements célestes, de l'échappée à l'attraction terrestre pour entrer dans l'espace et atterrir sur d'autres corps célestes, la compréhension de l'univers est passée de l'ignorance à la découverte de nombreux corps célestes, phénomènes et lois. Grâce à des projets de sciences spatiales internationaux et à des activités comme Dialogue avec Taïkonaut, la coopération sino-africaine pour explorer l'espace continuera de se développer. My name is Clayton Rad, originally from Kimberley in the Northern Cape. I'm 40 years old. I'm blessed to have a son and a daughter. My 12-year-old daughter, she's the more curious one. I usually explain to her the concept of the project is basically like taking a magnifying glass, shining it on a piece of paper. Eventually, the piece of paper will set the light. Voici le site du projet de centrale solaire à sel fondu de 100 MW de Redstone, à 200 km de Kimberley, dans le cadre de la coopération sino-sud-africaine en énergie renouvelable. L'Afrique du Sud, influente sur son continent, soutient activement la transition bas carbone grâce à un ensoleillement annuel important. La densité énergétique solaire au site de Redstone atteint 2800 kWh par mètre carré par an, l'une des plus élevées au monde. Clayton, ingénieur en mécanique du projet Redstone, effectue une dernière vérification de la canalisation avant le test de production d'eau chimique et se sent sous pression. Le test de production d'eau chimique est un jalon crucial avant la mise en service du projet. La tour à sel fondu utilise l'énergie solaire réfléchie par des héliostats pour chauffer les sels dans l'absorbeur de chaleur, transformant ainsi l'énergie solaire en énergie thermique, puis cinétique, mécanique et enfin en électricité. L'eau chimique est essentielle au transfert d'énergie et au fonctionnement fiable du système, garantissant la réussite de sa mise en service. Yes, we are finished, but we just want to run the pumps on its own for about 2 hours, just to check if there's any problem, also to check if it's going in the proper direction for rotation. 就像我们平时日常生活中用的开水壶一样，那些水都是未经过处理的，经常会发现有很多水垢，这些对我们这个机组的还有系统的安全运行是有很大隐患的。所以说，我们需要将这些杂质啊，还有一些不必要的元素，将它清理掉。The pressure was high at the start, but I think at the moment we have it under control. Each person knows his or her roles and responsibilities, what to do, when to do it. So I think we have it quite under control at the moment. 2 jours plus tard, le test de production d'eau chimique sera lancé.
Mais avant cela, l'arrivée d'un groupe de visiteurs vient briser la tension ambiante. Des enfants d'une école locale ont visité le projet sur invitation du constructeur. Les imposantes tours solaires, visibles de loin, sont devenues un sujet de conversation dans la région. This is our mirror assembly. This unit can reflect the sunshine to the top of our tower. This mirror apartment moves the sun like automatically. Yeah, every minute is move. Trick the sun. The sun position like this. I really think that if someone sees something firsthand instead of just reading from the book, because the kids were quite excited, they had quite a lot of questions, and they were really amazed by this engineering mega structure that we are busy with here at the Good Project. I must say some of them, they even mentioned that they do aspire to come and work here one day. Deux jours plus tard, le test de production d'eau chimique est un succès. La centrale a produit un sang sain et est prête à transformer la lumière en électricité. Début 2024, la centrale a été raccordée au réseau et mise en service. Elle devrait fournir environ 480 gigawattheures d'électricité propre au réseau national sud-africain, en répondant ainsi aux besoins en électricité de 200 000 ménages sud-africains. Vue du ciel, la centrale solaire ressemble à une fleur épanouie au milieu du désert. À l'autre bout du continent africain, sur le sol marocain, une autre fleur du désert éclot doucement, révélant une vitalité unique. Le projet de la centrale solaire Nohor Ouarzazate 3, mise en service en 2018, injecte chaque année 530 millions de kWh d'énergie propre dans le réseau marocain, soutenant le développement durable et la protection de l'environnement au Maroc. Ces dernières années, dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a lancé des centaines de projets sur les énergies propres en Afrique. À l'heure de la transition énergétique mondiale, Chine et Afrique partagent technologies vertes et savoir-faire pour un avenir plus propre et prospère. My name is Melissa. I'm 21 years old. I'm from Rwanda. I love fashion and I love e-commerce. Les partenaires de langue de Melissa s'intéressent beaucoup à la danse traditionnelle rwandaise. C'est pourquoi elle la leur apprend pendant son temps libre. C'est une part importante de la culture rwandaise et l'un des passe-temps de Melissa. This is like a woman's crown. It is mostly worn by mothers. Mother? Yeah, but sometimes girls just put it for makeup and beauty purposes. Like you. Yeah. Melissa est arrivée en Chine en 2022 pour étudier à Hangzhou, le berceau du e-commerce chinois et le centre d'approvisionnement majeur du e-commerce transfrontalier. Actuellement inscrite à l'Alibaba Business School de l'Université Normale de Hangzhou, elle fait partie d'un programme spécialement dédié aux Rwandais, le premier du genre pour un pays africain, qui se concentre sur le commerce transfrontalier et implique des projets au sein de l'économie numérique chinoise. And my country is still struggling to set a base for online shopping, but it is also known that Rwanda has already begun charting on ambitious. In order to come to China, first of all, they chose students who passed their national exams. There were about 500 students. And then among the 500 students, they chose 100 students through application. And then we went for the interview. And then after the interview, they had to choose 20 students. So it was very competitive to come to China. L'économie numérique de la Chine connaît une croissance rapide et devient une composante importante de l'économie mondiale. Grâce aux innovations technologiques et aux plateformes Internet, elle améliore l'efficacité des entreprises, crée de nouvelles opportunités d'emploi et stimule la mondialisation des marchés. Aujourd'hui, de plus en plus de pays s'engagent dans la transformation numérique. When His Excellency President Xi Jinping visited Rwanda in 2018,
Rwanda and China signed 15 bilateral cooperation agreements, and one of them was e-commerce. And from that point, Rwanda signed the EWTP, which is the Economic World Trade Platform, between Rwanda and Alibaba, and that was the first country on the African continent to sign with Alibaba. And from that point, we started engaging these technology platforms to sell our products. Suite à cela, l'Alibaba Business School a développé des programmes de formation destinés aux décideurs, entrepreneurs et étudiants de premier cycle du Rwanda. C'est dans ce contexte que le programme dédié au Rwanda a vu le jour. En 2023, il y a le premier de BSM, il y a 9 位 在 notre 中国国内 高校进一步的深造。也有同学回到卢旺达以后利用他所学的知识已经有了自己的这个品牌有了自己的商标 Les vacances d'été approchent à grands pas. Mélisa cherche un stage pour mettre en pratique les connaissances acquises au cours des trois dernières années. Hi Dad, hi. Oh Melissa, how are you? I'm fine, how are you doing today? Fine, how is your studies? Yeah, it's good. I'm having my final exam this coming Monday. And then I will, after, find my and get ready for my internship. I will find internships about live streaming because I like it. It feels much more interesting to me to just sell online. I will gain a lot more experience and also learn about digital marketing and digital selling. So I wish you good luck. Okay, Dad, bye-bye. Come in, please. Good morning. I've been doing a lot of fashion and advertisement part-time jobs. Like last summer, I worked for this company and I was doing their fashion adverts. And I think I can... Une semaine plus tard, Mélisa est admise. Aujourd'hui, c'est son premier jour de stage. Hi guys, it's your girl Melissa. If you join and you are new here, don't forget to just go ahead and tap on the screen for me. And if you are used to be here, you can also go ahead and say hi in the comment section. For summer vibes, of course, we've got you different colors. Okay, number two. My darling is looking for number two. Yeah, this is actually my favorite. I love, love the, you know, the sleeves. We've got you different beautiful jollies. They're a little bit like stretchy, so if you want to fit in a different finger, it can definitely go ahead and fit in. There you go. I want my country to really be part of the digital revolution. So I came here to China so that I can learn all about e-commerce, all about the platform use and the data and information when it comes to e-business. I'm really looking forward to have my own business and I want to deal with it with all the knowledge that I got here from ABS. And then I want to be a consultant through which I can maybe teach people from my country or elsewhere in Africa about how they can use e-commerce ideology to like improve their businesses and their sales. 2000年中非合作论坛成立以后，中国和非洲就形成了越来越紧密的相互合作发展的这样一种关系格局。中国的现代化呢，可以为非洲的现代化呢带来多重的机遇啊，但这种机遇是相互的啊。We are really inspired by how did China do this modernization over a short period of time. This will definitely inspire us to see how we can follow the same.I'm not saying that this is what we're going to copy. It's not easy because each country has its own characteristics. But I think it will inspire us in different ways. We know that China is counted among developing countries. But when we look at it, actually, we see that they are really moving fast. We are really appreciating the speed of development and we hope that we'll keep the pace.